France 2 propose son feuilleton quotidien Ainsi Grand Soleil du lundi au vendredi aux alentours de 20h45. Le soap déroule ses intrigues et rebondissements autour de Claire Estrella, Elisabeth Bastide, Virgile Berville, Manu Léoni, Florent Graquet et bien des autres. Découvrez les résumés des épisodes du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2022 sur France 2. Lundi 3 octobre 2022, Kiara décide de positionner une caméra devant elle, entrée de la maison et n'en parle pas à sa famille. Thaïs qui se rapproche de plus en plus de Damien qui est mal, elle à chaque rencontre se fait recadrer par Damien en cours. Elle lui reproche. Il insiste sur le fait qu'il est prof et elle, élève, ils ne sont pas potes. Elle extermine les préparatifs de elle, exposition et reloupe Ulysse. Mardi 4 octobre 2022, une nouvelle fois, la voiture de Claire est vandalisée, elle est focalisée sur Hélène. Kiara leur annonce qu'elle a mis une caméra, ils vont pouvoir savoir qui est là ou le responsable. Ils découvrent que le responsable est leur voisin qui voulait acheter leur maison. Claire paraisse, excusée auprès d'Hélène pour son attitude pour être en paix avec elle mime mais lui assure que leur relation est au mime point. Soulagée, Hélène raconte à Victor ce qui est passé et pense qu'il faudra un peu de temps à Claire. Élise avance sur elle, enquêtée, ils ont arrêté le complice de Franck, ils ont la certitude que le fleuriste est responsable de la mort de Patrice Méhen, ont pas de preuves. Hugo et Yann décident d'enquêter sur lui. Mercredi 5 octobre 2022, Kiara organise elle, anniversaire surprise de Louis à la demande de Lily. Thaïs reproche à Kiara de le faire. De son côté, elle reste persuadée qu'il va se passer quelque chose entre elle et Damien qui toujours mal, elle la repousse. Il finit par céder. Claire qui ne se remet pas de son histoire avec Hélène et qui isole finit par accepter d'aller voir un psychologue soutenu par Florent. Hugo est persuadé que le fleuriste est complice et responsable de la mort de Patrice. Il décide de le retrouver avec elle, aide de Yann. De son côté, Christophe savoure son bonheur retrouve avec Cécile et Achille. Jeudi 6 octobre 2022, Thaïs est heureuse dans les bras de Damien qui regrette d'avoir couché avec elle et lui rappelle qu'elle est mineure et son élève. Thaïs tente de le rassurer mais Damien met vite une distance après leur nuit et Thaïs le harcèle. Alix accueille ses invités pour son vernissage. Ulysse est stressé, il est encore plus mal, en voyant débarquer son ex Yvon Chalini, critique des arts. Alain est jaloux de Guilhem en apprenant qu'Elisabeth se rend au vernissage avec lui. Elle finit par lui dire qu'elle voulait lui trouver une droit d'auteur œuvre pour fêter anniversaire de leur rencontre. Vendredi 7 octobre 2022, Alix est ravie, elle a des commandes pour les droits d'auteur œuvre des Ulysse. Ulysse de chante vite en voyant la critique des Yvon qui descend ses droits d'auteur œuvre en raison de leur separation, qui est mal passe. Il se confie à Alix, qui maladroite avec Yvon, va empirer les choses. Elle demande de elle, aide à Claudine. Thaïs vit mal la distance que met Damien et tente de lui parler au lycée ce qu'il prend mal. Elle finit par se confier à Kiara qui lui conseille d'oublier Damien et tente de lui dire qu'il ne l'aime pas. De son côté, Damien est pris par ses sentiments pour Thaïs et se retient de la rappeler, il entre au casino. La soirée anniversaire de Louis a lieu chez Claire et Florent en leur absence. Kiara de cul de voir que Louis a des yeux que pour Lily, se met à boire.
Découvrez ce qui vous attend dans un si grand soleil jusqu'au 14 octobre 2022.